Salut, on se retrouve encore, nous tous ici réunis pour essayer de buter ce boss. Ce boss, un con. Je le hais. Deux fois qu'il me tue, je vais le buter. Du coup, j'ai pris Mac. Voir si ça va mieux. Sûr, ça ira mieux. Sûr. Sûr, 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 sûr. Alors, souvenez-vous, dans le dernier vidéo, on a essayé de buter un boss qui nous a mis défoncé. Mais alors, bien comme il faut. Donc, du coup, on va essayer de se le refaire. On n'a pas mis le choix. Allez, on boost, on boost, on boost. Alors, j'espère que ça va me laisser Mac et que ça va pas me remettre 7. Parce que je vous avoue que Mac fait un peu plus beaucoup de dégâts, étant donné qu'il est déjà modifié. Voilà, coup boulon. Seigneur de la fonderie d'orbe. Pas pour longtemps. Oui, c'est bon, on garde Mac. Alors, je sais pas pourquoi la dernière fois j'étais bloqué sur. Sur 7, la pieuvre. Enfin, l'araignée. Je sais pas pourquoi là. Un truc chelou. Par contre, j'ai vraiment pas beaucoup de munitions. Mac, viens m'aider s'il te plaît. Viens mon cher. C'est ça qui me fait mal en fait. Son rayon, on l'a combu là. Faut que j'y fasse gaffe. Ah oui, effectivement, ça me fait très mal. Et le feu aussi. Non, c'est pas lui que je veux. Il est où, bordel, mec? Bon, on va essayer d'y arriver quand même. Là, je sais pas ce que c'est. On récupère. Ah, c'est bon, je récupère ma vie. Aouh. Aouh. Aouh, ça fait mal. Ah, mais d'accord, mon chien, il est. Il y a pas beaucoup ça. Donc maintenant il faut du tout aussi les petits quoi. Oh, il va être chiant ce boss, je le sens bien. Vas-y, vas-y, défonce-le, mec. Boum. Et les petits. Aïe, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah, il me faut des vies. Il me faut des vies. Elles sont où mes vies? Ah, Mac doit être encore. C'est pas grave. Temps, prends ton temps, stress. Le stress pour la difficulté du jeu. Allez Mac, vas-y. Oh. Non, c'est jaune. Pas du tout ce que c'est ce chou qui est à la con. Hein. Allez. Non. Oui. Non. 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 Oui. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'on allait y arriver. Et ben voilà, c'est fait. Ah.
Ça a pas été sans mal. Ouf, first try. Ah ouais, first try là. Bonjour Victor. Ah, le spoil par succès. Ah, j'aime pas ça. Ah là là. J'espère que vous n'auriez pas compris. J'espère que vous n'avez pas compris. Bon. Ah bah direction le tour des têtes des dents. J'y suis presque. Waouh! Ah ouais! Ah oui, que t'as être. T'as des super jambes. Tout va bien. Je voulais voir si ces pièces tenaient le coup. Ah bah apparemment oui, vu ce que tu viens de faire. Et mon chien! Il est beau ce chien! La tour, le cœur d'Alter Eden. Ouais. Elle est fermée, tout comme le pylône et l'usine. Ah ben on va voir ça. Écoute, Jules, je voulais pas t'en parler par radio. Les voix qu'on a entendues ne venaient pas de vaisseaux en orbite. Ce qui veut dire? Ça semble insensé. Mais je crois que ces voix venaient de l'intérieur de l'orbe. Oui. Ne me dis pas qu'ils sont là-dedans quand même. C'est donc toi, Victor. Jules, va-t'en d'ici. Cette vous aidera à refaire la traversée. Je ne laisse pas avec lui. Cette ne peut pas tous nous transporter. Tu dois protéger cet orbe à tout prix. Il va tout casser, ce con. C'est pas le moment de discuter. File. Ah non, le seul pote que j'avais est en train de crever. C'est pas vrai ça. C'était quoi cette vidéo à 3 FPS là? Et cette communication moisie? Ouh là là. Bon, c'est pas grave. Si j'ai envie de dire c'est le seul niveau du jeu, ça sera déjà pas mal. Parce que jusqu'à présent, je sais pas vous, mais le jeu me déçoit pas beaucoup. Je me régale toujours autant dessus. Là. Enfin bref, on verra bien. Non, on n'y retourne pas. Il faut trouver un autre chemin vers la tour E. T'en fais pas. Kai peut se débrouiller seul. Mais Mick au fond là-bas derrière. J'en suis sûr. Il le faut. Mais voilà. Allez, direction la tour E. Ok, hein? Moi d'abord, avoir faire plein de trucs. Comme déjà récupérer tout ça, machin. Salut Violette! Tu me permets de faire un petit tour? Je te remercie. Ah, on est déjà là? Ah oui, il est cool! Donc là, c'est le berceau. Ouais, c'est bien ça. Là, c'est bon, bah, la partie que vous n'avez pas vue, je vous rassure, il n'y a que ça. Ce donjon à la con, là, c'est un platformer à la débile, timing qu'il faut faire pour avoir trois coffres en plus en trois missions. Hein. Je vous le rappelle encore une fois, je suis un sac, je suis au courant. Et donc, l'autre zone qui est là, ça donne le début. Et ben nous, on va à l'explorateur. Je comprends pas ce que tu dis, arrête de parler. Pas vrai ça. Le temps de chargement. Oh, yeah baby. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, l'arme à fond, elle est classe. Enfin, je sais pas si elle est à fond, mais. Ça rajoute que des petits éléments, mais je trouve que ça fait classe. Ça fait si stylé. Tu me prends toujours autant de délirer, toi.
Ah là là, un robot tentacule avec une jeune fille rousse. Ouh là là. Non. Arrêtez de suite toutes les allusions dans vos crânes. Ça ne marche pas ainsi. 8, 2, 5. Ok. Il n'est pas meilleur. Ah, il y aura bien celle-là, mais j'ai pas ce qu'il faut. Bon, ben. Actuellement, j'ai celle-là, je crois. Et j'ai un fou rouge qui est beaucoup mieux. Mais on va commencer par faire la tête parce que c'est ce qui me manque en priorité. Voilà. Donc j'avais dit qu'actuellement j'avais celle-là, c'est ça. Et en bas j'ai ça. 1, 1, 1, 6, 3. Ok. Donc on part sur chien fou rouge. Ça. Et pour le réacteur. Chien fou blanc, c'est bien ce que j'ai. Et on va partir sur. Attends, je vais pas les faire, ceux-là, c'est chiant. Il manque quoi? Une balle. Ah, d'accord, attaquer le truc. Voilà. Hop. Orbot. Tout ouais. Oh, c'est classe! Chance de provoquer un effet. Je sais pas du tout où j'ai chopé ça, mais c'est super classe. Oh, il est mignon. Alors, temps de recharge, coup fatal, temps de réanimation, ok. En vrai, pour le fun, j'ai envie de le mettre, en fait. Attendez. On va déjà voir. Ah, shit, je peux pas l'équiper. Ah, j'ai mal au fion. Ah là c'est une fainéant que là je suis content parce que ça ah merde. Ah pour le fun j'ai envie d'équiper de ça en fait. Allez, c'est complètement con, je sais pas du tout où j'ai chopé ça mais je trouve ça marrant. Mais du coup est-ce que j'ai pas des merde, non reviens. Est-ce que du coup j'ai pas d'autres plans qui à d'autres niveaux? Parce que j'avais pas fait gaffe. Ils sont marqués où les niveaux là? Pom 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 niveau d'Orbot 1. Je suis teubé. Teubé. Je suis un magnifique teubé. Mais alors. Ma bande de record hein. En fait, on va faire celui-là, parce que celui-là je peux le faire. Et on va le mettre, mais je pourrais pas faire bien plus en fait sur un Mac. Non. Bon, j'attends qu'il soit nouveau. Bon. C'est classe, mais ça fait moche. Mais on regarde. Au fond, j'assume, je le garde comme ça. Alors. Ah, oula. C'est joli ça. Et. Je peux tout faire. Ah, ouais, quand même. Ça fait ma housse. Hein. Bon, ben. Hein, plat cuisine, on va en profiter, hein. Niveau 13. On va avec les niveaux qu'il est quand même parce que. Niveau 11. Voilà. Il est niveau 11. Donc on va faire le niveau 7. Hein. Et. Vous avez fabriqué 10 pièces. Ouais. C'est super. C'est génial. Niveau 11. Il est bon, c'est gars, je m'en souviens plus. Ah. Niveau 11.
Donc en gros là je peux pas lui faire grand chose. On va juste faire les pièces à l'avance. Comme ça au moins il les aura. Voilà. Et voilà. Au moins les pièces sont faites à l'avance. On sera pas embêté. Hop. Oh my god. Ah. Non. Putain, on dirait un robot de Brainiac dans DC Universe. Ça fait chelou. Allez, t'es toujours aussi moche, mais on te garde comme ça. On t'aime bien, tu sais. Ah, le chien à tête de oiseau, là, ça me fait. Tête de corbeau, ça me fait kiffer. Pom. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur donne des ordres? Où est-ce que je les garde? Est-ce que je leur en donne ou est-ce que je les garde? On va en donner un peu. On va rendre les comptes. Voilà. Voilà. Allez, on va monter jusqu'à 200. Allez. Voilà. Alors, ce qui fait 70-200, oui, bah, ça va accepter. Hein. Alors, toi, du coup, t'en faut un là. Voilà, t'en faut un barbecue. Encore. Il est long. Hein. Voilà. Et toi, mais du coup, on va te monter à 110. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Alors, ouais, chance de provoquer un effet. Je sais pas du tout ce que ça fait. Oui, c'est en fait c'est la tête de Korbach qui me donne ça. Donc, ma foi, on verra bien. 91, 17, 66, 7, Mac, 110, ok. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, ils n'ont pas de bouclier, je sais pas pourquoi. Là, ça me dit 904, et là, ça me dit 0. 888 et 0. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas dans le coffre. D'accord, donc ça c'est toutes les combinées. D'accord. Non. Combinées. Non. D'accord, donc on peut combiner les machins entre eux pour au moins savoir ça, en sachant qu'il n'y aurait plus besoin de plaques comme ça à l'avenir. Normalement, je pense, du moins. On va en profiter pour tout combiner. Hein. Alors la prochaine fois, ces trucs comme ça, donc que je découvre en même temps que vous, la prochaine fois, je ferai ça en off. Comme ça, je n'aurai pas à vous gonfler avec. Voilà. Ah. Hop. Hop. On fait tout. Tout. Oh. Une pièce d'or. La classe. Oh. Une pièce d'or encore. Oh. Une pièce d'or. Il y a encore beaucoup parce que. Même moi, ça s'en va gonfler. Il y a encore elle. Et je crois que ça sera tout. C'est tout, j'en ai pas oublié, je crois. Voilà. Donc, Mac avec la tête de griffon. Tu fais peur? Oui, bah oui, tu fais peur. Toi, t'es classe encore. Ah, t'es pas trop moche. Alors, traverser d'une changeante pour atteindre la tour d'Eden. On va retourner là où j'étais. Hein. Mince, je vais sortir du vaisseau. Je suis un teubé. Ah, là, putain. Violette, j'ai besoin de toi.
Montre-moi ta sale frimousse. Est-ce que tu es dehors? Non, tu n'es pas dehors. Ça serait trop bête. Tu te montrerais beaucoup trop ici. Ah, mais du coup, j'ai... Oh! Oh, du coup, j'ai accès à une nouvelle zone. Et ça, c'est intéressant, ça. Et du coup... Olé! Cablon! Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Oh, bah, gratuit! Ah, c'est gratuit, ça! 9! C'est parce que ça fera quand on aurait 10, mais bon. Ah ouais, du coup, ça m'ouvre d'accès à de nouvelles zones, c'est classe! C'est classe, c'est classe! Je prends tout ça. Allez, hop! Je suis désolé, je suis obligé. Je suis obligé d'y aller. J'ai vu un truc là-bas. Je vais le chercher. C'est pour mon bien personnel. Sinon, je vais me sentir mal. Allez. On va faire monter Mac parce que. Il faut que ce soit niveau 15. Il faut que 7 soit niveau 13. Donc. Je pense que 7 c'est rapide. Hop, les petits bignots. Oui, même si on comprend pas ce qu'elle dit. Pour moi, ça me fait plaisir de les avoir. Après tout, c'est un let's play. Je vais essayer de compléter au maximum. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ici le docteur Julius Roldan, scientifique en chef et responsable du projet Alter Eden. Tu fais peur. Aujourd'hui, le 17 avril 2053, mon premier service à la surface de la planète. Les autres équipes se sont... T'as un bouclier au milieu. Les prévisions météorologiques annoncent une accalmie d'ici quelques jours, alors je devrais pouvoir recevoir des transmissions du centre de contrôle de Mandat. Évidemment, elles dateront de plusieurs décennies, à cause de la distance entre la Terre et Alter Eden. Mais des nouvelles seront toujours bonnes à prendre. En attendant, j'ai du pain sur la planche. Il faut d'abord voir combien d'orbotes avancées sont opérationnelles. L'humanité a un nouveau monde à bâtir. Il va nous falloir un coup de main. Si tu veux, je te donne un coup de pied. J'essaye. Si vous comprenez. Allez là-haut. Est-ce qu'il y a un coffre? Et j'aime les coffres. Je suis comme tous les joueurs. J'aime. Comment je vais monter là-haut, bordel? Faut pas me stresser, ça. L'explorateur de Dieu est dans un état. Je sais pas ce qu'elle a fait avec. Je peux pas aller passer par là, moi. Non, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Bon, c'est pas grave. À mon avis, il faut le singe. Oui, parce que je sais déjà que le dernier robot, c'est un singe. Pas compliqué, vous tapez record sur internet et vous voyez que ça. Allez. On va retourner dans la zone. Violetto. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a rien, elle. On s'en fout de ce que tu lui racontes. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié un donjon. J'ai oublié un donjon. Merde. Et là où il y en a. Mais là où je n'ai pas encore exploré. Mine de rien, cette zone est vachement grande par contre. J'ai l'air de la ruée. Donjon traversé, donjon en dessus. La fonderie d'or, ça je l'ai fait. Donc oui, voilà, c'est ça, les traversées, c'est des trucs où vous avez juste à... Vous voyez, trésor, il y a deux orbes, trois machins, et un qui augmente la vie. Et en fait, on vous donne trois missions dans ces donjons-là. Et l'objectif, c'est de finir ces trois missions pour récupérer tous les coffres du donjon.
En l'occurrence, là, il y en avait trois, les trois missions différentes. Bon, allez, on va se le faire. Ah non, on peut pas. On peut pas parce qu'il me faut encore une orbe et niveau 25. Allez, 6 coffres, 3 orbes. Bon, il n'y a pas d'augmentation de vie, mais à mon avis, il y a de quoi bien booster les robots. Donc, j'y pense, vous m'y faites penser ou j'y penserai tout seul. Allez dans ce donjon là. Parce que j'ai bien mieux me le tenter celui-là. Allez, d'une chance. Elles sont comme un turbaquetti. Un clignement de yeux, elle change de forme. Elle change de vêtements et elle change de coupe de cheveux. Sauf que lui, non, vu qu'il a toujours une roupette dégueulasse sur la tête. Moi, je voulais aller là-bas à la base. Ouais. C'est vachement menaçant quand même pour y aller. Ah, oh! Hé! Hey. Ça t'est, va. Bien. Mac! Mac, je suis tombé! Mac, viens me chercher! Ah bah attends, viens me chercher. Wow! Oh là 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 là. Comment ça va avoir un bon peuple là? Ça se calme un peu. Voilà. C'est quand même peu les gars, parce que... Pas que vous me gonflez, mais c'est que vous me gonflez. Bon. Faut bien y aller là-bas. On va pas y aller là-bas. Oui. On y va pas. Ah, c'est trop loin, bordel de merde. Zéro dégâts. Comment ça, zéro dégâts? Ah. Ouais. Voilà, tu vois, tu prends tes dégâts. Je suis pas amélioré pour autant. C'est un jeu simple mais efficace quand même. Parce que bon, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de vie sur la map. À part les robots qui vous attendent de temps en temps, le banc qui bouge. Enfin, à part ça, voilà, il n'y a pas vraiment de vie en proprement dite, mais il est simple, dans ce sens-là, on va dire. Il est simple, mais très efficace parce qu'il est vraiment jouissif à jouer. Les contrôles, tout ça, sont vraiment. Bon, peut-être que vous n'en avez pas l'air parce que je joue comme un sac. Mais c'est d'une simplicité, mais d'une efficacité remarquable. Hop là. Hop là. Hop là. Hop, hop. D'accord, j'ai compris. Seth, fais ton boulot. Ouais, d'accord, je me suis chier pour rien, j'aurais pu très bien passer par les deux ponts là. Ah, bah, du coup, je vais me le faire lui là. Voilà. Il m'a gonflé. Bah, rien fait, hein, mais je vais me le faire. Ah ouais, niveau 16 quand même. J'ai pas le temps de me faire buter, moi. Non, je vais me faire insulter dans les commentaires. S'il y en a. Oh merde, c'est 7. Il y a tellement de passages différents. Non, 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 non,
Voilà. Regardez, je peux aller sous le pont. À quoi ça sert? À rien. Mais ils mettent quand même quelque chose à récupérer. C'est sympa. C'est con, mais c'est sympa. Ah, voilà ce qui m'intéresse. C'est les coffres comme ça que je veux. Oh putain. Oh, il est stylé, mine de rien. C'est un bouc, mais il est stylé. Ah, ah, je vais crever. Je vais crever. Je veux pas mourir. Merde, j'ai l'extraction hyper. Voilà. Là, je pense que je suis dans un niveau où je suis un peu obligé de faire l'extraction éclair pour pouvoir survivre. Mine de rien, c'est hyper galère. Je pensais pas qu'il serait... Parce que, bon, il est pas spécialement dur, mais... Il a sa difficulté quand même, le jeu. Je tiens à le préciser. Bon, je me souviens plus s'il y a un mode de difficulté au début du jeu. Non, je me souviens plus. S'il y en a un, peut-être le moins savoir. Mais mine de rien, il est pas si facile que ça. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Il y a un espion parmi les équipes. Quelqu'un qui dort dans son explorer, en attendant un ordre de mandat pour prendre le contrôle du projet. Mon projet. Dans ce cas, je ne peux me fier à personne. À personne. Alors personne ne se réveillera tant que je ne saurai pas exactement ce qu'a fait mandat. Je crois qu'il est en train de péter un câble, lui. Il y a quelque chose de sévère. Et donc, ça doit être des mini-boss, je pense. Aouh! Oh! On se calme un peu là. Que je perds les vies au bout d'un moment parce que je serais mort une bonne paire de fois quand même. Et encore une arme. Donc déjà j'aurai toutes les orbes qu'il me faut pour l'autre donjon. Et ça, c'est bonheur. Voilà. Allez, ça en fait 10. 10, il manquera plus que bah, 10 niveaux. Voilà. Plus je regarde ce flingue et plus je suis stylé. Oh! 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 Tout un set. C'est classe ça. Molos, molos, molos jaune. Ok, d'accord. Ça peut être marrant. Même si j'en ai un avec une tête de. Tête de corbeau, sérieux. Je sais pas du tout où j'ai chopé ça. Si vous arrivez à savoir où je l'ai chopé, dites-le moi parce que alors là. Si c'est marqué en bout d'un moment dans une vidéo que j'ai goûté ça, je serais curieux de savoir où je l'ai eu. Mais vraiment curieux en vrai. Allez. Ah. Les fameux trucs que j'avais pas cassé. Eh ben on va être curieux et on va aller voir ça de suite. Allez, allez, allez. Ouais,
Si je dois dire un défaut au jeu, c'est que quand on corrode, on a le tâche parce que sinon ça serait long. Hein. Fixation. I believe I'm blind. Qu'est-ce que c'est que what? Alors je récupère les pièces, mais on voulait pas. D'abord, priorité. Priorité aux pièces. Tout bien, alors pas mal en plus. Parce que c'est vrai que je vais là-haut. Bah ben voilà, ça coûte pas avec ça. Coussiner. Attends, oui. C'est bon pour le chien. Là, y'a rien. Non, bon allez, on va arrêter de papillonner. Ah non, il en manque un là. Il me reste à prendre. Boum. Mais alors, explication de qu'est-ce que c'est que c'est que si. Il y a quelqu'un. Il fait peur ce chien avec ses yeux rouges. Oh, il y a un robot là-bas. Regardez. Victor. Il a fait quelque chose aux Orbots. Il leur a ordonné d'attaquer les explorateurs. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce que t'as trouvé toi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh! Le caisson est brisé. Et il s'est jamais réveillé. Mais tu vas te calmer toi? Victor a attaqué l'explorer. Mais tu n'as rien pu faire seul. Oh. Pauvre gars. Victor s'en est pris à mon ami. Il s'appelle Kai. Quel est ton nom? Gorgias. Oh, Duncan. Alors j'adore le nom de Duncan. Un des prénoms qui me marque. Moi, c'est Jules. Voici Mac et Seth. Non, ils sont avec moi, pas avec Victor. On veut rejoindre la tour E pour arrêter Victor et sauver Alter Eden. Tu nous aideras. J'apprécie, monsieur. J'apprécie beaucoup de temps. Nouveau compagnon, nouveau Orban Duncan, rejoint votre groupe, vous pouvez le sélectionner en quittant l'explorateur. J'apprécie beaucoup. Troisième robot, ma gueule. Ça, c'est la classe. Les trois mousquetaires. Ah bah, c'est cool. Bon, déjà, toi, tu fais peur avec tes têtes de corbeau, toi. Toi, t'es un peu classe. Mais alors, toi, ton prénom, c'est un prénom rien que Duncan. Ça me fait frissonner. Enfin bref, les amis, nous, on va s'arrêter là. On verra ce que sera capable Duncan dans le prochain épisode. Et pas avant. Et oui. Comme ça, ça vous renforcera le regarder. Allez, ciao. Et à plus. N'oubliez pas de guetter la chaîne.